Namasté. Bonjour à notre session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te proposer quelques exercices en Shirshasana, donc le poirier. Mais cette fois-ci, c'est seulement pour les personnes qui peuvent déjà rester un petit peu dans le poirier. Donc le poirier, certainement, c'est... une belle pose et très, il y a beaucoup de bénéfices, mais surtout, il faut le pratiquer régulièrement. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser une petite couverture. Comme ça, elle est pliée dans cette taille, plus ou moins. Et je vais la mettre sur mes avant-bras. Comme ça, je prépare ma pose de poirier, beaucoup plus confortable. Et je la mets sur mes avant-bras. Comme ça, je vais poser ma tête sur cette petite couverture. Et je prépare la position des mains. Donc, joignez les poignets et les coudes à la distance de les épaules. Et pour monter au poirier, donc je peux le faire une jambe... autre jambe et je tire, ou simplement si tu es beaucoup plus avancé, on va passer le poids, on monte avec les jambes tout droit et on reste dans le poirier. Maintenant on peut faire quelques exercices dans le poirier. Donc déjà on peut faire Parivirtasheshasana. Et je fais une petite torsion vers la droite, comme ça. Je respire par le nez. Et c'est toujours de compter les respirations. Donc, essaye de rester 5, 6 ou 7 respirations. Après, inspire au centre. Et expire à gauche. Voilà. Et encore, tu restes. Inspire au centre. Maintenant, on va faire Ekapadasheshasana. Donc, on commence par la jambe droite. Et avec une expiration, je vais baisser la jambe à la moitié. Comme ça. Donc, si tu es bien là, tu restes comme ça, tu tiens la position. Et si tu es plus souple, on va continuer jusqu'à poser le pied, les orteils par terre. Et je reste. Après, remonter. Inspire. On est encore dans Shirshasana. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspire, expire. Tu peux laisser ta jambe où tu es confortable, à la moitié, ou jusqu'au sol. Inspire, expire par le nez. Et inspire. Et on va redescendre avec les deux jambes jointes. Expire. Et les genoux par terre. Je joins mes genoux. Je me prépare pour Balasana, pour me reposer avec la tête par terre. Respirons par le nez. Inspire. Et voilà. Donc, merci beaucoup. À la prochaine fois. Om Shanti.